tout le monde. C'est toujours votre professeur, Semius. C'est toujours la même école, CTIA, Centro Tecnología de las Américas. Eh bien, la fois dernière, dans le cours précédent, on a vu la sécurisation de l'écran avant l'impression. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment, ou bien on va voir de préférence les outils et les matériels ou matériaux qu'on va s'en servir pour faire de l'impression. Pour faire l'impression, on a besoin premièrement, pour faire l'impression par développement, avant l'édiction de l'émulsion, on va voir les matériels, les matériaux qu'on va s'en servir pour faire l'induction, pour faire l'induction de l'émulsion. Maintenant, la première chose, il faut avoir un écran. Donc, c'est l'écran. C'est le premier matériel qu'on va s'en servir, c'est l'écran. Maintenant, Evelyne nous montre l'écran. Voilà, Evelyne nous montre l'écran. Voilà, ça, c'est l'écran que nous montre. Evelyne, voilà. C'est l'intérieur de l'écran maintenant, l'intérieur de l'écran qu'elle nous montre. Voilà. Cet écran est déjà sécurisé. Cet écran-là est déjà sécurisé. Elle nous montre l'écran. Voilà. David va nous montrer quelque chose d'autre. Voilà, David nous montre la racle. Ici, c'est la racle ou raclette. Racle ou raclette. Maintenant, David nous montre maintenant l'émulsion. L'émulsion qui est dans ce bocal, c'est l'émulsion. Voilà, on montre l'émulsion. David nous montre l'émulsion. Voilà, là, c'est l'émulsion. C'est l'émulsion qui se trouve ici. Eh bien, merci d'avoir suivi ce cours. Et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. Au revoir.